savez-vous? Vous allez sortir de mon cabinet. Chut! Une patiente dans la salle d'attente. Elle pourra vous entendre. Je suis venu discuter de nos affaires en cours. Nous n'avons pas d'affaires en cours. Je vous ai donné 10 000 euros, j'ai respecté mon contrat. Maintenant, vous allez respecter le vôtre et me foutre la paix. C'est pas aussi simple. Je vous jure, moi, que c'est très simple. Je suis désolé, mais quand on a passé notre accord, j'ignorais certains éléments importants de votre situation. Quoi? Vous avez oublié de me dire que vous étiez très riche. Je sais pas, vous êtes allé chercher ça, mais ça n'importe quoi. C'est pas bien de me cacher des choses. Quand je l'apprends, je suis contrarié. Et quand je suis contrarié, j'ai du mal à me contrôler. Vous en savez quelque chose, non? Je ne vous ai rien caché du tout. J'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver 10 000 euros. Rachel Lévy, c'est bien votre tante, n'est-ce pas? Je crois savoir qu'elle a un joli petit pactole en banque. Cet argent est placé, je n'y ai pas accès. Que je me sois occupé de votre maîtresse vous a pas suffi? Vous voulez que je m'intéresse de près à Luna? On se remet jamais vraiment la viole, vous savez. Taisez-vous, sortez. Je veux 100 000 euros. Je ne les ai pas. Trouvez-les. C'est pas cher payé pour éviter à la femme qu'on aime d'être brisée à vie par un viol. Vous avez une semaine, pas un jour de plus. Malik a fait ce qu'il a pu.